Yo, reçois por favor, petite vidéo tutoriel sur les roulades. On va s'amuser un peu. Donc ici, il y a une guitare qui joue. C'est une guitare rock prise dans Hypersonic. Et ensuite, on va s'amuser à jouer encore quelques trucs comme des balafons. On met des petites batteries. Deuxième guitare pris dans Nexus. Donc on va décortiquer chacun des instruments qui se multiplient ici pour avoir cette roulade-ci. Chez les danseurs, je la fais en une seule pattern, mais les roulades qui sont dans la structure, donc dans le son, je fais ces roulades-là en plusieurs patterns. Donc en par exemple ici, c'est une roulade, je l'ai renommée 1. Donc il y a plusieurs éléments qui sont réunis dans la roulade-ci. Tu vois qu'il y a du kick, il y a un pied. Et ensuite, il y a cet instrument-ci. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je dépose la pattern en question ici. Et qu'est-ce que je fais? Je viens tout simplement déposer le kick. Donc, il faut boucler cette partie-ci. Comme tu vois, j'ai fait là. Voilà. Et ensuite, tu viens tout simplement là. Tu déposes ton kick. Comme tu veux que ça résonne. Tu vois, 1, 2, 3. Après, on met une caisse claire, par exemple. Voilà. Donc, comme je veux que ça joue là. Donc il y a un pied, le dernier pied ici, il n'est pas mis là pour rien. Et aussi, petite astuce, il faut savoir que pour pouvoir facilement disposer tes notes là, tu dois activer None sur la magnétisation. Tu vois, tu cliques ici, None. Voilà. Tu disposes tes notes maintenant comme tu veux. Maintenant, tu peux mettre des basse pris dans Simple Tank. Voilà. Ok. Tu vois, c'est comme ça, progressivement, je dépose les notes et ensuite je mets encore un truc là pour avancer. Tu vois, pour donner la valeur au truc quoi, tu vois. Pris dans une de mes packs pro. Cette caisse-ci, c'est une caisse un peu reggae, tu vois. Donc elle est disponible dans un de mes packs reggae. Sur mon site web. Tu vois que là, il y a changement complètement. Ceci vient un peu bouleverser les choses, quoi. Tu vois. Donc, c'est ça. Ici, par exemple, j'ai envie de faire une roulade là. Donc, comme par exemple ici, comme il y a une entrée du morceau, je vais faire une deuxième roulade. J'ai envie de faire un truc comme ou ou oum, tu vois, des trucs comme ça. Oum.
Une fois que je l'ai mis là, Simple Things, ok. Je vais agrandir ici comme ça. Voilà. Donc maintenant il faut compléter ça. Pouchka! Donc il faut un pied par exemple là. Ok. Donc, on va maintenant mettre des tchiches, des crashs. Voilà. Ok, il y a quel crash là même? Ah, celui-ci qui est bon. Je baisse la vélocité. À ce niveau maintenant, je vais augmenter légèrement ceci pour qu'il puisse dire que c'est en train de monter, tu vois. Donc, qu'est-ce que je peux faire encore? Donc, celle-ci n'est pas mal. Faut que cette caisse-ci sonne juste après le dernier pied. Je vais réduire ça comme ça, voilà. Voilà. Ok, il y a quoi encore qu'on peut mettre pour fracasser? Je peux aussi mettre même des instruments comme ça.
Donc c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo. N'oublie pas, télécharge gratuitement mes différents outils. Voilà, donc j'ai un tout nouveau pack que je viens de mettre en place. Un pack où j'ai réuni tous les différents instruments coupés, décalés qui sont efficaces et utiles pour toi, déjà mixés et masterisés. Voilà, donc si tu veux avoir ce pack contenant déjà tous ces différents effets, clique juste dans le lien dans la description pour pouvoir te procurer ce pack. Sur ce, ciao.